Après Jimmy Connors sur Super NES, voici Agassi sur Mega Drive. Graphiquement, le jeu est plutôt réussi et le son est correct. Hélas, le bas blesse au niveau, devinez quoi? Eh oui, jouabilité. Et là, tout de suite, l'intérêt d'un tel jeu part en fumée. Dommage. Allez, à ciao, et la prochaine fois, je vous promets que les previews seront des bons jeux.